Kampala, ces motos qui font les transports, ces géants bâtiments, ces longues et presque interminables routes qui le lient à sa ville voisine Entebbe et son Sheraton. Un hôtel 5 étoiles transformé en nid des corbeaux en l'instant de cette phase allée de la Ligue des Champions africaine. Aux premières heures de ce samedi 8 octobre 2022, une douce pluie arrose la capitale ougandaise. Premier fait, la veille du voyage, les hommes de Moïse Katumbi doivent faire avec un climat différent de celui de Lubumbashi en ce moment. Et selon les dernières prévisions météorologiques, ce match contre Vipers FC pourrait se jouer sous une petite pluie. Pas forcément de fortes orages qui sont attendus ici à Kampala, mais une petite pluie qui va encore une fois adoucir la pelouse du stade à St. Mary's de Kampala. Kampala est sous une température clémente qui avoisine les 25 degrés. Les corbeaux ont pu apprécier la levée du jour dans cette ville, encerclée par quelques collines. Ce qui donne une vue imprenable à travers le resplendissant Sheraton Kampala. Tout est fait par les chairman Moïse Katumbi, président du club qui a une nouvelle fois engagé des gros moyens pour que la réussite des corbeaux ait une certaine garantie.